Max. Un, deux, trois, quatre. Oula, ça fuit par là. Non, là, ça va. Ah, ça a disparu. Eh ben, c'est cool, parfait. J'aurais su, j'aurais mis que la moitié et que du vinaigre, quoi. J'ai rajouté de l'eau parce que j'avais pas assez de vinaigre pour tout remplir. Donc c'est bon. Alors, c'est pas fini. Maintenant, il faut rincer à l'eau claire parce que sinon, ça va être dégoûtant, effectivement. Donc, il faut vider le réservoir et mettre de l'eau propre. Donc voilà, ça c'est l'eau du robinet. Et maintenant, il faut qu'on appuie quatre fois. Enfin, une fois, ça va faire sortir un peu d'eau. Et il faut répéter l'opération quatre fois. Enfin, c'est ce que dit le mode d'emploi. Pas assez d'eau. Oula. Parce que là, ça résiste. Quand ça clignote, il faut pas ouvrir. Mais quand ça clignote pas, normalement, tu peux l'ouvrir. Ah merde. Non, ça va, je suis pas. Bon, il y a de l'eau partout. On doit pas aider la lecture. Je me suis fait un peu mal là-dessus, là. Là, là. Je me demande si c'est cassé et que c'est resté coincé ou si c'est normal ça. Non, ça a l'air d'être. Non. Non, ça a l'air d'être parfaitement normal. Ah, c'est bouché peut-être là, ouais. Ouais, ça a l'air d'être bouché là. C'est vrai qu'il a l'air bouché là. Voilà, c'est débouché là. C'est bon, c'est débouché là. Petite brosse à dents.
Peut-être que j'attends que ça se calme là, avant de relancer. Je pense qu'il faut attendre que ça arrête de clignoter pour relancer la deuxième brassage. Non. Non, c'est pas. Ah, c'est encore bouché là. C'est encore bouché. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il faut pas utiliser du vinaigre. Est-ce que c'est du tartre qui a été mis en suspension à cause du vinaigre? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas utiliser du vinaigre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du tartre ou est-ce que c'est Ça a pas l'air d'être des bouts de composants. Hein. Ça m'a l'air effectivement d'être du tartre. Hein. Là, ça a l'air d'être des petits cailloux. Donc. Ça veut dire pour moi c'est bon, je peux ouvrir. Ok. Il y a un micro caillou là que je vais enlever. C'est bon. Je peux ouvrir. Oui, c'est encore un peu bouché. Quatrième. C'est bon, je peux ouvrir. Ah, c'est pas bouché. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui obstrue là. Et ben ça tombe bien parce que j'ai envie d'un petit café. Café long, intense. Parfait, rien à signaler de mauvais au niveau du goût, aucun goût de vinaigre. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique, elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électroinformatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne.
c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.